Allez, salut à tous les amis, c'est Long to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Elle est Noire. Oh yeah, nous sommes promus et nous sommes passés donc à la division criminelle pour une enquête toujours plus sombre et plus profonde, avec du sang. Oh, on a de trafiquer, messieurs dames, s'il vous plaît. Oui, donc... Ah, ça fait plaisir de se retrouver pour une bonne petite enquête, bien fraîche, très fraîche. Do you have the address? Et donc voici mon poteau, mon nouveau poteau, c'est mon nouveau collègue. C'est génial. Donc on part enquêter, c'est parti pour savoir ce qui est arrivé à cette bonne femme qui s'est fait tout simplement tabasser à coups de pioche, je sais pas ce que c'était, un outil. Et le mec, enfin, elle avait pas l'air de hurler tant que ça. Bon, après, je pense qu'elle a vraiment souffert, mais bon. En tout cas, oh, bah tiens, ils ont même changé la bagnole. Regarde-moi ça, j'ai une nache magnifique, peinture laquée. Non, je déconne, j'ai n'importe quoi. En tout cas, j'aime beaucoup beige un petit peu sur le dessus avec du noir ou du vert, je ne sais pas. Ouais, pas mal la couleur de la voiture. En tout cas, ça a l'air d'être un nouveau modèle, donc je pense que je vais la débloquer. Attention. Ouais, véhicule débloqué, Nache Super 600. J'espère qu'elle est plus rapide que l'autre. En tout cas, je vais y faire attention. Et évidemment, c'est dans l'autre sens. Oh putain, il y a encore une enquête. Bon, ça, je suis désolé, mais bon, on se fera un épisode si vous voulez, on fait que ça. On se balade dans les rues et tout. Mais bon, pour l'instant, hein, on va se concentrer sur l'enquête. Alors, apparemment, hein, de ce que je vous avais dit, normalement... What happened to Rose? Où est-ce que d'avoir des... Word is it's either going to be him or Thad Green. Des enquêtes bien plus intéressantes dans la section you, Galloway. Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you, and I don't want you, so keep it to yourself. Okay. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. Attends. What did he mean by the werewolf? Je crois qu'on s'est mal compris. Descends de cette voiture, je vais t'apprendre à parler comme ça. Examiner came up with the black dahlia. Ah, le dahlia noir. Any closer to catching him? Le mec m'insulte quoi. 6 months and hundreds of guys running down leads and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? Okay, up. No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Ah ouais, je te l'accorde, c'est unique. Quoi. Women this year. Because of the war. You should know that. Comment ça, à cause de la guerre? Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? Ah ouais, simple. De ce point de vue-là, ouais, like je trouve ça normal. Most of the time it is. C'est horrible. Putain, mais le mec, il s'en fout. Bon, en même temps, il est habitué, vu le boulot qu'il fait. Mais en tout cas, c'est un vrai petit salaud, hein. J'aimerais bien me garer juste pour lui mettre une petite correction. Parce que le type, bon, je crois qu'il est bon. Hein, d'accord. Tu... Ok. Non, parce que bon... Hop, putain, elle dérape facilement. Ah, nous arrivons sur les lieux du crime. Attention, le... J'attends la petite cinématique. Elle est où la petite cinématique où je me gare automatiquement? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette bordel? Ah d'accord, c'est plus loin. D'accord, en fait, je me suis fait couiller. Ouh, pas mal, un petit sentier qui sort. Alors attendez, ah bah voilà, la cinématique. Ah, est-ce que je vais bien me garer cette fois? Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup ta veste, collègue. How about a scoop for the examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business? Ah oui, le loup-garou, c'est le nom du apparemment du meurtrier. Il se fait appeler comme ça. How about some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it. Tu vas te calmer. Move along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Oh, tellement de prestance. Bon, je vais pouvoir faire mon travail. Ouh, les bonnes textures là. Ouh là là. Ouh, ça c'est de la texture, ça qui. Ah, d'accord. Censuré. Interdit au moins de 40 ans. Non, mais là c'est. Ah ouais, ouais, d'accord. Roman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. Ne regardez pas à droite. Working neighborhood.
some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker in the corner could work. Ouais, c'est plaisir, le petit médecin journaliste. Go off the house and see what you come up with. C'est le grand-père, là. Il se fait plaisir, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une preuve. Ouais, les traces de pas, la voiture. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8. Chaussure 41, c'est carrément. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Ok. Alors avant d'aller examiner le corps, on va regarder les d'abord les preuves aux alentours. Casse donc le sac de la victime. La brosse qui la brosse un peu carrée. La brosse géométrique. Oui non parce que bon, on est dans un jeu vidéo évidemment, aucun poil ne dépasse, c'est ça le secret. Le sac de la victime. Ouh. Qu'est-ce donc? Un rouge à lèvres. Attendez. Looks brand new. Can't be the one used on the body. Comment ça? Utilisé sur le corps, c'est-à-dire qu'est-ce que... Ouh, comme il referme. Putain, mec il repose... Ouh. Truc normal, il repose exactement pareil. Tu vois la scène, l'espèce de petite scène coupée. Qu'est-ce donc? Looks like some kind of puzzle or parlor game. Un casse-tête ou un jeu de société. Et effectivement, nous pouvons apercevoir des cases. Ah oui. Oh, génial. Super. Je vais pouvoir m'exercer. Comment je fais pour... Je peux pas descendre plus bas. Ah d'accord. Ok, en fait non, c'est parce que c'est plus vers la droite. Super. Super. Super, super. Oh putain. Propriété du Bamba Club. Dans le briquet swag, les gars, s'il vous plaît. Bamba attendez. Why steal a table lighter? Putain, c'est un briquet de table. Putain, le briquet... Les mecs, le briquet du bonheur. C'est le briquet. Le briquet du bonheur. Bon, allons inspecter le corps. Y a pas autre chose aux alentours, non? Faudrait que je change de costume pour cette affaire. On va essayer de changer de costume. Bah tiens, d'ailleurs, en plus, il m'a même pas sauvegardé. J'avais déjà changé de costume. Ah, celui-ci sera parfait. Yeah! En plus, c'est l'été là, on dirait que je vais dans un safari, le pantalon, la classe. Ouais, ça fait un peu décontracté. Bon, examinons ce corps, absolument. Cause of death? Oula, qu'est-ce qui nous fait là? La position est un. The cuts look superficial. I'll know for sure. Un petit peu étrange. Alors, la tête. Oui, pardon, c'est à moi. Ouh, putain. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Fallait qu'il y ait une clé à pipe dans l'histoire, forcément. Putain, il en a. Oh putain, il y a une moitié de son crâne qui est disparu. C'est étrange. Hein. Mon Dieu. Oh, je touche un cadavre. Ah. What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Oui, probablement. Ah, c'est pas beau, hein. Non, mais je vous le cache pas. Bon, je suppose que évidemment, à l'autre main, sur l'autre main, y a rien, non. Hein. Voilà, on est d'accord. Ah, peut-être pas. Non, c'est pas un tatouage. Non, c'est du sang. J'ai pas envie de descendre en bas. Va te faire foutre, BDTex. Interesting. Ah oui, c'est très intéressant. Je confirme, ouais. Je veux descendre plus bas. Non, je déconne. Ah, c'est bon. Ah. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia. BD. Ah ouais, le dahlia noir. Your guess is as good as mine. Tex. Could be something to it, or could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm D'accord. with you later. Can we get to the Bamba? Man could die of thirst in a case like this. Ok. Bah on va au Bamba, écoute, hein. Je te suis collègue. Bon, je pense qu'ici, y a plus rien. Hein. Tu vas voir qu'à la fin de l'affaire, on aura encore rien trouvé. Ah, à moins qu'il y ait encore de la musique. Attendez, je perds mes repères là. Je joue tellement à pas mal de jeux. Je joue à tellement de jeux, tu sais, genre. Mais, non, je veux dire, en ce moment, je joue à pas mal de jeux avec la manette. Résultat, genre Seigneur des Anneaux par exemple. Et ouais, c'est. Au niveau des touches, c'est galère de tout se rappeler.
Ah, ah, vous voyez, ça je l'aurais pas vu. J'ai bien fait de continuer à chercher. Oh putain, je suis dingue. Évidemment, il brise tous mes espoirs. En plus, il y a un club. Mais qu'est-ce qu'il. Enfin, qu'est-ce qu'il fout là, pardon. Qu'est-ce que le club de golf fout là, sans déconner. Tu sais, ça aurait pu être l'arme du crime parfaite. Bah, non, en fait, on s'en fout. Bon, oh, d'accord. Tant qu'il y a encore de la musique, je fouillerai. Ici. Ah ah. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Probably nothing. Qu'est-ce que c'est que cette merde en plus? C'est un bout de pain ou quoi? Je suis sûr que c'est la clé de l'énigme. Ici rien. Bon, en fait, ça nous fait tourner en bateau. En voiture, cousin! Nous partons. Ouh, pas mal, attendez. You gotta be kidding. Non. C'est bon, je la débloque deux secondes. Oh, c'est bon, hein. C'est le corbillard, c'est ça, non? Ouais, c'est, enfin, c'est la voiture du. Mais descends! Putain, je me gourais de boutons, je te l'assure, B. Je spam mes B. Non, on va prendre notre belle berline. Je te l'accorde, elle est bien plus belle et sûrement beaucoup plus performante. En voiture, oh, ramène-toi. Non, je déconne. C'est bon, allez, on n'a pas trop de temps là, c'est bon. J'arrête de faire le con, mais putain, il a du mal à courir le con. Allez hop, en voiture. On évite des. Ok, on évite de l'abîmer. Je crois que je l'ai rayé. Même pas. Ah, bah, vous voyez, ça c'est. Oula, 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 putain, faut que j'arrête de jouer avec la. Ah, bah, attendez. Attendez. Lieu, on va aller Bamba Club. Voilà, exactement. Choisir la destination. On est parti. Nyon. Ah non, attendez. Oups, non, je me suis trompé. Excusez-moi, je m'arrête en plein milieu de la route. En fait, je testais les boutons, mais en fait, apparemment, on n'a pas de sirène. Donc, on a une voiture un peu. On va dire. Ouh, un peu invisible. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. Ah bah ouais, attends, l'affaire du siècle. I've been working evidence on BD case for 6 months and got next. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, hot shot. Oh, what's more likely? The werewolf comes back around, leaving us alone in the corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stoom. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't. Understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Ouais, évidemment. Je suis désolé si j'ai pas parlé, mais je suis l'affaire vraiment avec beaucoup d'attention. Hein. C'est pour ça, heureusement qu'il y a les sous-titres. Bon, en même temps, le jeu est en full anglais. Et heureusement d'ailleurs. Non, enfin, je veux dire, c'est bien. Comme ça, on a les vraies voix, quoi. On est parfaitement dans l'ambiance. Ouf. Bon, ça a l'air compliqué cette histoire de. Enfin, entre guillemets, hein. Cette histoire de Dahlia noir là. Bon, on va le retrouver, ce fumier. Ce fumier. Et puis on va lui faire payer tout simplement. Ok, on arrive. Oulala, putain, c'est quoi ces routes? Elle est toujours plus grande, le carrefour, les types. Bienvenue aux États-Unis. J'ai plus n'importe comment sur les touches. Alors. C'est easy. Putain, ça craint. Ah non, oui, pardon, c'est là. Attendez. Ah oui, attendez, je vais me garer. Je vais me garer. Sur le parking. Oh my gosh. Je rentre au drap. Ouh, regardez-moi ça. Attendez deux secondes. Il me la faut. Il me la faut. Cours. Elle est parfaitement assortie à mon beau costume. Et c'est une Ford Custom. Oh, regardez-moi ces beautés. Oh la vache. La vache. Elle a du... Oula, attendez, excusez-moi. J'ai une espèce de remontée. J'ai toujours des remontées, c'est abusé. Je fais toujours mes vidéos après. Vous pouvez poser.
C'est affligeant. Allez hop, au lieu de bavarder. Bon. Tac. Elle a du standing. Voilà. J'ai fait le tour, le Bamba Club. Super recherché le nom d'ailleurs, hein, au passage. Ok, bah c'est parti, on entre. Ding 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 ding. Gentlemen, ooh, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Probablement. Yes. L'autre est ouvert. Il s'est ouvert. I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Inquire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me three fingers of rye. Ouais, c'est ça, le mec il va faire que cloper de sa misérable journée. Putain, pas mal le bar, les tables en bambou, les plantes. On s'y croirait presque. Ok, excusez-moi, ce bureau de patron. Enfin, c'est pas un bureau, c'est une table. Franchement, la classe, hein. Au fond, comme dans un bus. Bonjour. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine is... was a... lovely woman. Ouais, c'est ça, ouais. Ça sent mauvais. McCall, bleu... Attends, c'est toujours plus original le nom aussi. Bleu, gris, âge 52 ans, propriétaire et gérant du Bamba Club. Il a bien la tête d'un gérant véreux, lui. Suspect aperçu avec la victime. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Je dirais que là qu'il dit la vérité parce que bon. Il bouge pas la bouche. J'ai pas de point d'intuition. Doute, je sais pas, mais pour moi il dit la. Il dit la vérité. You know him? Voilà, bah oui. No. Forcément. He's... been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Ouais, vas-y, je veux bien. Hein. I think he's a bit of a ganguero. Ça me ferait une nouvelle preuve. Ouais. Voyons voir. I think this could be a great help, sir. Yes, succès en plus. Sam has taken me to Palm Springs for the weekend. Ouais, vas-y, tu peux l'arranger. En plus, ça me fait un succès. Magnifique. Alors, anneau volé à la victime. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring, on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Ah bon, là c'est clairement pas vrai. Attendez. Qu'est-ce qu'on a? Empreinte de chaussures, rouge à lèvres, briquet, message écrit sur le corps, traumatisme consécutif, bijoux manquant. Bah c'est doute. I think you know where the ring came from and I think you're gonna tell me. Okay. I bought it years ago. Carried a torch for Celine in those days. Ah bah oui hein. Faut cracher. De toute façon, c'est évident. Oh, mon dieu! Pour l'instant, je fais du sans faute, les mecs. Hein. Je sens que je vais me chier avec le dernier. Attention, c'est toujours le dernier qui marche pas. Lien avec le mari. You know the husband? Sure, I know Jacob. He was in the corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in
My opinion. Bah là, clairement, chaussures point turc. Briquet du Bamba Club, message écrit sur le corps, message griffonné rouge à lèvres sur le corps, va te faire foutre BD et Tex. Il s'appelle comment déjà lui? McCall? Non, c'est pas ça. Traumatisme. Attendez, là, du coup j'hésite à mettre doute. Alors voyons voir comment il se comporte. Ouais, d'accord, il regarde un peu ailleurs, bon... Je sens que c'est mensonge, mais je sais pas quelle preuve. Bah déjà, il y a bijoux manquants, donc franchement, j'aurais envie de mettre mensonge avec la bouche, le bijou. Putain. Je vous dis, je vais me le chier celui-là, j'hésite. Voyons voir, il bouge. Il avale, mais il bouge pas vraiment la tête en fait, c'est ça le problème. Putain, je sais pas, j'hésite. Allez, mensonge. You're lying, McCall. You're covering for Henry. You called him and told him what time she was leaving. You're an asshole, you know that? Je sens que c'est pas ça. C'est vrai que j'aurais peut-être dit doute. Where do you get voilà. off? Je le savais, c'était doute. I feel bad enough about what happened to Celine without you slinging mud. Je suis deg, j'aurais dû mettre doute. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address? J'aurais eu 3 sur 3. Putain, je vous l'ai dit que c'est toujours le dernier qui merde. Hein. Toujours. Et je serais passé niveau 10 en plus. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Je suis deg, les mecs. Je suis deg. J'aurais pu faire du 3-3 parce que j'aurais mis. Si j'avais mis 2. Allez, ramène-toi, le gros. Oh, pardon. Hey, what's the hurry? J'aime pas dire ça. Collègue. Voilà, je t'appelle collègue. Elle est où la bagnole? Bon, écoute, allez, on va se faire plaisir. Le compte est bon. Non. Je dirais rien vu que... Ouais, non, laissez tomber. Où est-ce qu'elle est la baba? Oh, elle est plus là, la bagnole. Je suis dead. Ah, le téléphone, attendez. Putain, comment je cours? Oh là 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 là. On va téléphoner un coup. Hop. Phelps badge 1247. How can I help, detective? I need a registered owner on a license plate, 2BOY8899. Yes, detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks. Please, thanks. D'accord. J'espère que tu vas me rappeler, grognasse. Bon, bah, je suis encore deg, moi. À chaque fois, je suis deg, moi, quand je joue à ce jeu. Ah, j'ai pu faire du 3 sur 3, c'était du doute, hein. Mais vraiment, vous voyez, c'est pas acquis, hein. Ah là là, ce jeu peut vous tromper. Du coup, je suis absolument... Ah, ok, il est dans la bagnole, le mec. Rien à foutre. Il a compris que moi, je courais partout. Oh, la lumière s'allume. Allez, domicile de Henry. Puis après, on va se quitter là-dessus, je pense. Oh! Oh putain, j'ai pété le feu derrière. You find the boost, j'aurais écrasé. Sharp is my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. Oh, je l'ai rayé. No, you picked the wrong job if it won't be Thursday. Merde. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy.
Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor. Our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Oh, it's such a drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. It's worse than I could ever have imagined. Bon, il commence à me faire chier, lui. Bon, je m'emmerde. Maintenant qu'on a fait connaissance. On... Bip ! Non, j'ai connu. Oh, putain. Oh, mais même dans les jeux, il y a des travaux, tu sais. Putain, tout pour te faire chier. En plus, c'est marqué sur la carte. Vas-y, calme-toi. Oh, putain, j'ai... Non. Non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pété un phare, putain. Je m'arrête plus, moi, je suis chaud là. Allez, on tourne à droite. Putain, mais hey, les types, sérieux. Tu la bouges ta caisse. Bon. Ok, alors, j'ai cru qu'il y avait un petit problème de route et. Non, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. Paf, on tourne à droite. Ouh, heureusement que ça tourne sec, hein. Eh, hey, c'est bagnole, c'est de la bonne mécanique, hein. Faut le dire. Par contre, ça va pas très très vite, je vous l'accorde. Enfin, s'il a envie, je dois tracer. Mais... Ouh, la décapotable, pas mal aussi. Vraiment pas mal. Allez, hop, on avance. Je pense qu'on a le temps de se faire un dernier truc, puis après, on se quitte là. Parce que moi, bon, vu que là, je tourne le soir, j'étais pas là l'après-midi, oui, parce que je travaille quand même la journée, puis après l'après-midi, je suis allé voir des amis. Faut pas que je me couche trop tard, demain, c'est mon dernier jour. Hop. Et nous voici arrivés. Donc c'est cette maison là. Hey, bien vu. Pas mal. J'aime beaucoup les volets rouges. Ça donne du charme. Bon, les murs sont un peu dégueulasses, mais. Mais. I'll try the back door. Wait here a second. Fais donc! J'ai entendu du verre qui se cassait. Ah d'accord, ben c'est l'autre. Putain, le mec il a un revolver en or quoi, sérieux. Le mec il est comme ça, lui pète la fenêtre. Pourquoi il a plus son revolver en or? Ou alors j'ai complètement rêvé mais... Ça semble. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Ah non, d'accord, ok, c'est même pas lui. Oh, ça aurait été drôle. Bon, je pense qu'on va fouiller, puis on va. Putain, j'aime pas la musique. Putain, c'est stressant. Sinon, pas mal l'intérieur. Ah! Attendez. Un escarpin. Size 9s. Above average for a lady. Ah, étrange. Une nouvelle preuve. Ah, il a tenté de masquer avec des fausses chaussures. Ah, ça sent. Oh, mais ça, c'est de l'alcool. Ça sent. Enfin, je veux dire, ça sent le. On s'en fout. Probably nothing. Ouais, je le fais à sa place, parce qu'il est pas foutu de le faire. Ah ah, du verre cassé. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? I think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit. You got another thing coming, Buster. Ouf, tu te mets le doigt dans l'œil. Attends, vous avez cru quoi là? Oh. Ouh, de l'oxydol. Probably nothing. Don't think this is anything. Eh, hey, voyez. Ah, celle-là, faut que je la retienne aussi. Ici, rien, non. Une pièce sans aucune importance. Le téléphone. Ici, je peux pas. Oh. Ouh, la chambre. Attendez, y a-t-il une chaussure ici? Ah. Attendez. Ça... Ok, d'accord. J'étais pas du tout devant, mais c'est pas grave. Une photo, je vois. Ouais, elle devait être pilote. Voyons voir la bague. Tiffany, the rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. D'accord, bijoux manquant, le reste c'est du toc. Ok. À droite, la photo. Nouvel indice.
A regular Amelia Earhart in her day. The ring looks distinctive. Elle était pilote. C'est beau ça quand même, hein. Femme pilote à cette époque. C'est rare, hein. Enfin, c'est sûr que ça means much. Oui, ça j'avoue, on en a rien, là, complètement rien. Ah oui, il y a aussi ça. Ça, je suppose qu'il s'en fout. Et s'en fout. Attends, dans le dressing. Mais non, mais Michel, fais pas l'enfant, voyons. Ici, y a rien. Ah ah, qu'est-ce donc? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un truc de ventilation. Il y a une prise. Ça ressemble à un sèche-cheveux. Oh, mais c'est un sèche-cheveux. Ben oui, c'est un vieux sèche-cheveux des années 50. Vous avez vu à quoi ça ressemblait? Bon, après, ça se trouve, c'est complètement inventé, mais... Sympa, sympa. Bah écoutez les amis, c'est la fin de l'épisode, j'ai pas vu. Nous verrons la suite au prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié celui-là. Nous sommes embarqués dans une enquête fort intéressante dont nous connaîtrons l'issue très prochainement. Allez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.